Bonjour. L'émission France-Islam a déjà parlé d'Ismaël Urbain, un personnage extraordinaire mais euh, oublié pendant des décennies. Et on a fait appel à deux grands connaisseurs, le préfet Michel Levallois et le directeur de recherche au CNRS, Philippe Régnier, euh, avec lesquels on a effleuré le sujet. Et pour continuer à évoquer cette grande figure de l'histoire de euh, franco-musulmane, euh, J'ai invité euh, Roland Lafitte, qui euh, bonsoir. bonsoir et euh, merci d'avoir accepté un dimanche. <laughs> et euh, alors euh, Roland Lafitte euh, mérite une émission à lui tout seul parce qu'il a déjà publié euh, euh, un livre sur euh, les Arabes et euh, les étoiles, le ciel, le ciel des Arabes, donc une étude. Euh, qui, euh, qui bouleverse toutes les données concernant l'étymologie la, la, des noms des étoiles, de l'horoscope, etc. Mais il a participé à un ouvrage collectif euh, euh, sur euh, Ismaël Urbain, et il est l'auteur d'un autre livre avec Naïm Alefkir, sur, euh, une, 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 euh, il voit Ismaël Urbain sous un autre angle. Je pense qu'on peut donner le nom de l'éditeur qui va le publier, c'est Göttner. Et donc, nous avons un troisième très bon connaisseur d'Ismaël Urbain. Alors, pour aller vite, première question qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ce personnage totalement oublié D'abord, c'est le hasard qui fait qu'on rencontre un personnage sympathique. Et puis, on s'aperçoit que. Euh, il est sympathique parce que c'est un petit fils d'esclave euh, qui convertit à l'islam euh, en Égypte euh, et puis qui se trouve euh, euh, coincé dans euh, l'interprétariat en Algérie pendant les années 37, etc. Mais avec des positions originales. C'est-à-dire qu'il euh, il, il part avec les Saint-Simoniens, avec, avec, il était parti d'idée qu'il fallait ni conquête ni colonisation et il arrive à accepter la conquête. Alors déjà, ça, ça pose un problème pour la société, comment, comment ça s'est passé pour lui, pour ses amis, dans les conditions, dans les conditions de l'époque. Et puis l'autre chose, c'est que, qu'il bon, ne faut pas voir dans l'intérêt que nous avons eu, Naïma et moi, pour, pour Urbain, euh, comment dire, un quelconque intérêt pour la colonisation. En fait, les positions d'Urbain montrent même que, alors qu'il accepte la... Par défaut, on pourrait dire, la conquête et la colonisation, il, il lutte tout le temps pour deux choses qui seront niées et qui ne seront possibles qu'avec l'indépendance, c'est-à-dire l'égalité des droits et puis le respect, qui a été demandé par des courants au XXe siècle, le respect de la personnalité culturelle. Donc là-dessus, il est original, il a toujours défendu ça, il n'y et il s'est toujours euh, cassé euh, le nez, évidemment. Ce qui montre que la colonisation euh, ne, pouvait pas, euh, ne pouvait satisfaire aucune aspiration des, euh, des Algériens. C bon. Voilà. C'est ça, ça l'idée. Mais, mais avant d'avoir affaire à l'Algérie, il était déjà parti en Égypte où s'est oui. converti à l'islam en 1835. Oui. Et moi, je me souviendrai toujours de la lettre que Philippe Rénier m'a envoyée il y a oui. des décennies avant que je le rencontre. Hein c'est une lettre envoyée au consul de France, Alexandre... L'ESSEPS. Ah non, non, c'est... avant le... Vice-consul, Oui, et qui lui dit... Il a choisi de devenir musulman, mais il reste néanmoins sujet de sa majesté, oui. régi par les lois du royaume. Donc ça porte une réponse très brève à toutes les interrogations angoissées des magazines jusqu'à maintenant. Oui, L'Observateur, Le Point, L'Express, peut-on être... Français et musulmans. À l'époque, non. Mais, mais lui, lui, alors, il a donné. Mais c'est maintenant. Que hier, c'était juridique. C'était juridique. Oui. Aujourd'hui, c'est culturel. Oui. Bah, Aujourd'hui, c'est irrationnel. C'est psychanalytique. Oui, bah, D'accord, c'est psychanalytique. Oui. <laughs> bon, donc, euh, il avait déjà affaire à l'islam, parce que l'idéal le, bon, le, saint-simonien, c'est de euh, concilier donc l'industrialisme euh, européen avec le spiritualisme de l'Orient. Donc, il va vers l'Orient. Et pour lui, l'Orient, c'est d'abord l'islam. Et il choisit de devenir musulman. Bon, après, bon, il n'était qu'un petit interprète militaire. Euh, mais, mais paraît-il, il ne portait pas d'armes. Sur non, le tableau dans la, le... de la prise de la Smala, où il était avec euh, Youssouf. Et... Non, il était à côté du duc d'Omal. Du duc d'Omal oui. oui. Non, il ne porte pas d'armes. C'est ça. Donc, c'est déjà un signe. Oui, <laughs> oui, oui. Que... Bon, alors, après, bon, il a eu cette éclaircie au moment. Euh, au début du Second Empire, où il a essayé d'atténuer les rigueurs du système colonial, où il a, il a voulu faire passer quelques mesures pour respecter l'identité culturelle. Mais auparavant, il faut nous dire un mot sur Ismail Urbain et l'islam, puisque ça a précédé son arrivée en Algérie. Ben, il se convertit, euh, bon, il, il a fait tout un... Il y a, il y a toute une correspondance là-dessus, il a fait un article qui est paru. Mais qui n'est pas paru tout de suite. Il avait écrit d'abord sa conversion euh, quand il était euh, en Égypte. Ensuite, euh, il l'a, ou, ou en, à la demande d'Echtal, peut-être son, son correspondant, ami euh, saint-simonien, euh, en 1938 ou 1939. Et euh, il envoie ça, mais déjà, il ne l'a pas fait publier. En fait, ça sera publié dans une forme un peu modifiée. Je passe vers. Euh, 1865. Oui, il risquait rien. Il fou risquait rien. Ou, ou avant. Mmh. C'était dans la revue des Deux Mondes ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les références exactes ici. Mais en tout cas, c'est un article très intéressant. Parce qu'on a beaucoup dit que c'était par euh, comment dire, opportunisme politique, euh, euh, etc. Pas du tout. Il s'est sincèrement converti. Il n'y avait que des coups à prendre à l'époque. Il n'y avait que, que des coups à prendre. Mmh. La, la preuve, oui. euh, on, on a menacé de lui ôter la nationalité française. Non, c'était Alors, était, il était dans une atmosphère personnelle, psychologique très particulière, amoureux d'une fille qui, qui voyait un peu comme le pendant de sa situation. C'était euh, la fille d'un père, un médecin qui était allé là-bas avec, avec Napoléon et qui était resté en Égypte. Pour, et il avait pénétré la société égyptienne, avait épousé une femme qui venait qui avait été prise dans une razzia euh, euh, dans l'actuelle euh, Éthiopie, enfin, dans, dans ses confins. Oui, – le, le sud. Oui. – Voilà, et donc c'était une métisse aussi comme lui. Et il se, il se reconnaissait là-dedans, et il est dans une, avec une idylle amoureuse, contrariée, etc. Bon, il y a toute une atmosphère psychique elle, elle, dans laquelle… – elle, elle était musulmane. – Elle était musulmane. Dans une atmosphère psychique où, euh, comment dire… Euh, il était disposé à rentrer, pour lui c'était une manière de rentrer dans la société, mais pas seulement. Lui, il était foncièrement croyant, indépendamment des formes de la religion, indépendamment. Pas, ce n'est pas un, un intégriste ni du christianisme, ni de l'islam, ni de, ni de rien du tout. Mais il, est, il, est, il a une foi profonde, même s'il l'aura pas toujours pratiquée. Mais il l'aura fait, etc. Bon, C'est tout, tout, tout un cheminement personnel. Ça a été très difficile, c'était très difficile de pratiquer l'islam pour un, euh, un Algérie déjà. Bon, il l'a fait quand il était à Constantine, mais quand il, est en, quand il était en France, c'était un, un peu plus compliqué, évidemment. Oui, mais c'était le contraire d'une nouveauté, puisque l'expédition le, Bonaparte a donné lieu à la conversion du général Menou, qui s'était marié à la, la Zoubida. Mais là, c'était un peu politique, quand même. Là, c'était euh... ça... C'est ce que dit, on dit, les, ses pense. collègues officiers. Mais enfin, la collègue... Zoukida est arrivé à Paris oui. euh, avec le, le voile que le Parlement français a interdit elle il n'y a pas très longtemps. C'était une personnalité de l'Empire, euh, oui. de, de la cour, enfin des gens euh, bien sous l'Empire. C'est ça, oui. il y a pas de non, dans les conversions il y a toujours les commentaires oui. désagréables comme Philippe Grenier, etc. Oui, oui, oui. Euh, Mais on ne peut pas exclure la, la conviction profonde. Mais moi, je ne l'exclus pas, mais euh, l'aspect la, politique était, euh, était clair, était évident qu'il n'est pas, pas du tout. Euh, il est relevé à tort et urbain, à mon sens. Hein. Oui. oui. Et même si, vis-à-vis -vis de ses copains, il, il s'explique, etc., ses copains saint-simoniens. Mais les, il y a eu pas mal de conversions en Égypte, mais il n'y en a pas eu beaucoup en Algérie. Quelques – Quelques-unes. – Charles-André euh, Julien, un ingénieur, euh, un ingénieur euh, des euh, ponts et chaussées, des Oui, mais c'était des gens que tous, tout, que qu Urbain connaissait, il y a trois ou quatre personnes, hein. oui, ce n'est oui. pas énorme, c'est pas énorme. – Oui, mais ben, il y avait une islamophobie dans l'armée voilà. française. – Absolument. – qui, qui a été à l'origine de ce passage inoubliable de Tocqueville, dans son rapport de 1847, la plupart de nos officiers disent qu'il faut euh, combattre l'islam pour avoir la paix en Algérie, euh, puisque le djihad se fait au nom de l'islam. Il dit que ce serait une très grave erreur de le faire. Mais, alors il mm -hmm. y a deux, deux islamophobies, là on pourrait dire, dans le corps militaire. Je parle pas des colons, je ne parle pas des colons. Il y a euh, euh, le corps, il y a la tradition légitimiste catholique, etc., qui veut convertir les... et qui ne se sent pas tellement dans l'armée, parce que dans l'armée... Les gouverneurs en Algérie, ils étaient plutôt prudents. Ils disaient, si on, ils va étaient euh, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes si euh, s'il si y a des politiques de conversion. Ils se sont élevés contre les politiques de conversion. Et puis il y a euh, des, euh, la tradition républicaine, c'est-à-dire bonapartiste, républicaine et autres, et qui voyait dans l'islam, euh, bon, euh, qui, qui projetait sur l'islam euh, la lutte euh, qu'avait eue en France, euh, qu'on avait eue les, les gens de progrès avec l'Église. Et donc, ils revoyaient une église avec un clergé euh, qu'il fallait éradiquer. Et ils voyaient euh, dans la société algérienne musulmane une féodalité. Voilà. Et ça, c'était le grand credo d'une partie de l'armée et, et surtout des colons. Et à plus forte raison après 1948 et après 1970. Il y avait un autre courant assez arabophile qui est représenté par ceux qui ont écrit comme le capitaine Pellissier de Rénault. Ah oui, oui. oui, oui. Le Pélissier de Rénault a, a eu un fils né à Alger. Il a le à l'état civil Hadjout en hommage <laughs> au cavalier Hadjout qui, qui posait des problèmes à, aux chasseurs d'Afrique. Oui. Alors ça c'est un courant quand, quand même il faut le dire assez minoritaire dans lequel il n'y a pas que les saint-simoniens il y a des gens comme euh, comme Pelissier de Rénault, il y a des saint-simoniens d'ailleurs, ils se sont rencontrés mais ils ne, ils ne se sont pas fréquentés hein. non. mais ils avaient des idées de fusion des peuples ça c'était c'était une idée commune oui, alors mais... sur la base d'une égalité des droits mais il y a des Saint-Simoniens qui ont mal tourné, par exemple la Mauricière. Ah oui, bah, le capitaine, arrive à, il était Saint-Simonien, mais est, il est devenu le spécialiste de la politique de la terre brûlée. Alors, moi, je veux bien qu'il soit Saint-Simonien. Bon. Alors, si on se, si se fie à Emery, qui est un historien d'Algérie, il a dit, et oui. qui a fait quelque chose sur les il dit beaucoup de bêtises. Alors. Si on prend le cas de Saint-Simonien, il avait en fait un rapport avec Dechtal, qui était Saint-Simonien. Oui, parce qu'ils étaient, étaient camarades de promotion. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. À Polytechnique. Oui, ça ne bon. va, va pas beaucoup plus loin. Euh, non, à la prépa, dans la préparation. À, à, à Polytechnique. Non, c'était oui. à Paris. Oui, oui, oui. Mais dire que quand on voit déjà les écrits de. de, de dès le début, la Mauricière, il dit Moi, je ne peux pas être comme vous, parce que moi, je pense qu'il faut utiliser le sabre. Il l'écrit tout de suite. – Ah oui, Donc, on, on l'appelait alors, Burrawa, Burra, alors à la, à la trite. Oui, alors que euh, les, les Saint-Simoniens qui sont allés en Algérie comme Urbain, Dechtal et Enfantin, je, je prends que les trois, n'avaient pas du tout cette idée. Donc c'est un Saint-Simonien parce que, bon, il y avait des choses, mari, il voulait bien le mariage de l'Orient et de l'Occident, mais sous la férule du sabre, c'est clair. C'est clair. Ce n'était pas l'idée d'Enfantin et d'Urbain et de Dechtal, Ce n'était pas le, leur idée. Ils ont été obligés d'accepter la conquête coloniale, mais leur idée, ce n'était pas ça. Oui, et et d'ailleurs, il y a eu des différences entre Enfantin. Par exemple, lorsque Dechtal, je désolé de, de, de préciser ça, mais c'est pour rétablir un peu la vérité historique. Lorsque Dechtal arrive, il voit son copain de son copain d'école. Euh, en arrivant à Alger en 1938, il va voir, il va au camp à côté de d'Alger dans lequel était la Mauricière. Il est effrayé par son militarisme. Et c il dit c'est un c'est un, 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 un officier borné. Voilà. Donc euh, le, on peut pas dire qu'il y avait euh, une non, mais il, a, il a inauguré les méthodes. De, Absolument. Il, bah. il, il a Charles André Julien cite un rapport de l'époque qui, qui félicite la Mauricière d'avoir réglé le problème de l'approvisionnement de l'armée d'Afrique par les Razia. Qui ah bah, confisquaient les moissons. Les, les positions mmh. de Bijot, les, les fameuses colonnes infernales de Bugeaud, oui qui reprenaient le terme de la guerre de Vendée ici, euh, ben, ça, a été, ça a été introduit par, par, par mots, la Mauricière. Oui. C'est clair. Oui, mais là, c'est théorisé. Dire, un, un idéal, il a adhéré à l'idéal saint-simonien et puis arrivé sur place, c'est la culture de. Gouvernement qui remplace la culture d'opposition, par... comme disait Rocard. Je douterais même qu'il ait participé à l'idéal saint-simonien, parce que dans, dans les termes, il y a un autre officier euh, qui a été tué par ses spahis à, à, à Béjaïa, à la prise de, de Béjaïa, euh, qui a dit Moi, alors il le dit explicitement, parce qu'il dit Je ne peux pas devenir saint-simonien, parce que je suis pour, pour l'intervention militaire. Oui, Donc même, clair. même après avoir été idéaliste saint-simonien, quand on voit l'âpreté la, la, la de la résistance oui. et, et l'effort militaire, il n'a pas le temps de rester attaché à un idéal. Oui, mais, oh non, non, là, oui. c'est clair. Bon, enfin, bref. Mais, mais euh, est... la Mauricière, quand il sera élu député, siègera à gauche, sous la Deuxième République. Bon. C'est-à-dire que. Pas, il n'a pas mal tourné euh, totalement, quoi. C'est-à-dire. la gauche que... de l'époque, oui, aussi, il faut des guillemets. Sauf, que, sauf que lui. C'est quand même la Mauricière qui a amené sur, euh, euh, sur le comment dire le carnage euh, de l'insurrection de juin qui a été provoqué euh, où il y a eu 4 500 tués. Ben, c'est lui qui a fait visiter le champ de cadavres à la Martine. Oui. Non, non Avec était... fierté. Oui, il était déjà. Avec fierté. Il était déjà vacciné lui. Voilà. <laughs> oui. Donc bon, c'est un personnage bon, que j'aime ou qu'on n'aime pas la Mauricière. Je pense qu'il euh, euh, y, y, y aurait, du point de vue historique, à, à revoir ce qu'on appelle les Saint-Simoniens en, en Algérie. Oui, voilà. Donc, mais, mais ça en dit long sur la souffrance, oui. en un seul mot, d'Ismaël oui. Urbain dans, dans ce milieu militariste où lui, il ne portait pas d'armes. Absolument, oui. absolument. Oui. Et son mérite, c'est d'avoir tenu et d'avoir euh, essayé de comprendre. Oui. Est, il est devenu un, un islamologue, malgré lui, par la traduction et par ses observations de la société musulmane qu'il a connu de l'intérieur. Et euh, donc là où il est devenu vraiment, euh, il avait une visibilité, c'est sous le Second Empire, euh, quand euh, Napoléon III a, a, a utilisé ses conseils. Disons, il a utilisé oui. ses écrits. C'est ça. Il a utilisé ses écrits. Il, il était très prolifique. Il écrivait beaucoup, même sous pseudonyme. – Il a écrit, oui, bah, il, avait, il avait fait deux brochures. Bon, alors, il n'était pas tout seul, il a été aussi, euh, il, il a fait une brochure sur, euh, euh, il a fait deux brochures, en 61 et 63, quelque chose, sur euh, la manière dont il concevait euh, le, 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 le pouvoir français en Algérie, la société. – Il l'a signé voisin. Oui, – ah, Oui, alors, il l'a publié, l'Algérie pour les Algériens, mais les Algériens, c'était les autochtones. – Oui. Donc, il était opposé, il s'est opposé à la colonisation. Alors, les autochtones, parce que pendant très longtemps, les Algériens, c'est les colons, les Français d'Algérie. Oui, mais, mais lui, lui, il lui, les appelle là les, les il Algériens. Vous n'allez pas parler d'indigènes, ni de. Lui, non, il dit Algériens. Les Algériens, c'est les autochtones. D'ailleurs, cela lui a été reproché qu'il était contre la colonisation. Et un peu à juste titre, parce qu'il euh, a essayé de s'opposer par tous les moyens qu'il a eus enfin, à, à la colonisation de peuplement. Et, euh, et là-dessus, il a été obligé de faire des concessions sur concessions, surtout quand il a été conseiller au gouvernement d'Alger. Mais ce n'était pas sa vision. Euh, ce n'est pas par la colonisation de peuplement qu'on pouvait, euh, qu pouvait, pour lui, associer les peuples et les civilisations. Euh, évidemment, c'est un échec, là aussi. Il a été obligé de reculer, de reculer, de reculer. Et quand il fait le bilan de sa vie dans les. Dans les journaux, dans les années 70, à partir de 76, en gros, dans le, le journal La Liberté, euh, où comment dire, Isaac Pereire, euh, qui est un Saint-Simonien industrialiste, euh, lui donne la parole. Et puis dans le journal des débats, euh, eh bien, il revient là-dessus, montrant que c'est oh en demandant à l'État français d'avoir la main mise sur les colons parce que les colons sont insupportables qui, qui rendent, qui rendent tout, tout, euh, tout rapport entre les peuples impossible en Algérie. C'est un peu ça son idée. Et il dit, et il explique dans une lettre à son ami Dechtal que je, ma politique dans la presse, c'est de dire rendons la situation des musulmans en Algérie au moins Égale à celle que les chrétiens jouissent dans l'Empire ottoman. Sinon, ah, sinon, ça, on, sinon, on parle de quoi Oui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est minimaliste hein, son sa politique. Mais c'est quand même. Mais là, il, là, ça a pas marché. Même ça, ça n'a pas marché. C'était un argument assez convaincant parce qu'il y avait des fort. négociations avec l'Empire ottoman. C'est fort comme argument. Pour, et l'Empire ottoman n'arrêtait pas d'exiger l'évacuation de l'Algérie. Bien sûr. Et donc, euh, et puis il a élargi sa connaissance à la question d'Orient. C'était pas seulement là. Algérie, c'était vraiment le, mmh. le centre de ses préoccupations, et donc euh, ces activités ont été d'une grande utilité par euh, la, la production. Algeran euh, à, à, à l'époque a, a identifié quatre euh, ou cinq pseudonymes que euh, Urbain utilisait. Oui, je, oui. Je suppose que le Valois. Oui, j'en vois au moins 3, mais oui. euh, je, il doit y en avoir d'autres. Il y a quelqu'un qui a écrit je... le, le Fella algérien, c'est lui. C'est possible. Il a, il a utilisé un autre pseudonyme et donc il s'est intéressé à tout ce pays. C'est pas seulement l'aspect militaire, c'est la religion, la terre. Il a écrit sur les femmes selon le Coran. Moi, j'ai trois oui, de ses articles. Oui, c'est un article intéressant dans la revue de Paris, qui ferait un peu conservateur. <laughs> oui, mais, mais ouais. c'est-à-dire lui, il essayait de, je, il croyait à la bonne foi de, de ses euh, collègues qui étaient dans l'administration, mais qui étaient dans l'erreur. Il, non, vous, non, il voulait convaincre. C'est mmh. sûr. Et il, a, il, il, il a trois articles. Moi, j'en ai publié un. C'est sur la, la tolérance de l'islamisme. Voilà. voilà où, où il montre vraiment sa bonne connaissance du Coran. Euh, qu'il lisait directement. Et puis, les, les commentaires. Et puis, l'histoire. Oui, et puis, ce qui est intéressant... Euh, Excuse-moi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il ne défend pas euh, l'islam en disant, dans le Coran, il y a ça, et puis voilà. Et puis, euh, non. Il y a la partie de la référence coranique, et il y a la partie historique. Oui, C'est ce ça qui est, qu est important. Historiquement, historiquement, les reproches que vous faites ne tiennent pas. Garder appelle ça un, un idéal historique concret. Ce n'est pas seulement euh, quelque chose d'abstrait. Euh, on ne peut pas mais, faire mais, mais, autrement. Lorsqu'on oui. veut comparer des civilisations, oui. on est obligé de faire l'idée. On ne peut pas simplement se référer au texte sacré. Parce que si les chrétiens se refèrent à l'évangile, euh, alors il n'y a pas l'extermination des Indiens, euh, toutes les croisades sont interdites, euh, etc. Oui. Oh. Alors, le, ce texte-là de 1856 sur la tolérance de l'islamisme, parce que tout le monde disait c'est des fanatiques, etc., il se termine par une citation du livre de Lémiar Delcadder, Décralacal. Non, non, Décralacal. Ah oui. oui. que, que Duga a traduit sous le titre Lettre aux Français. Hmm. Ah Donc, là, livre, oui, 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 d'accord. Le livre venait de sortir. Hmm. Donc lui, l'émir a dû le lui envoyer il de, sans parce qu'il il, il était, oui. était à Brousse, à l'époque, l'émir. Alors, lui, au début, il considérait l'émir comme un chef de Razia, dans ce, quand il était militaire. Mais après, il a changé d'avis. Quand il l'a vu, oui, c'est clair. Il a, puis il faisait partie de ses visiteurs à Amboise. C'est lui qui dirigeait le capitaine Boissonnet. C'est lui le... qui avait nommé le capitaine Boissonnet. Boissonnet était au bureau des affaires arabes de Constantine. Voilà, et qui avait la garde de l'émir à Amboise. C'est ça, oui. Donc, Boissonnet faisait des rapports régulièrement. Et c'est Urbain qui avait la main sur ça. Ce n'était pas Doma. Ce n'était pas le général Doma. C'était Urbain. Oui. Qui était directement responsable. Donc il, était, il est allé en, en Boise plusieurs fois. Et là, il a trouvé un personnage et il l'écrit. Il change de position vis-à-vis de lui. Quoi. Il, il est bien obligé de reconnaître surtout qu'ils ont des discussions. Discussions politiques et discussions religieuses. Oui, et, et, est là, et, hein. et là, il change évidemment la. Pas la première position qu'il avait, mais la position qu'il a prise immédiatement dans l'ambiance militaire d'Oran, euh, autour de, de Bujo, euh, euh, qui, qui, qui venait de signer le traité de la Tafna. L'atmosphère euh, des militaires était exécrable, naturellement, à l'époque, parce que tout le monde reprochait même à Bujo d'avoir fait des accords. Ben, Bujo lui-même dit qu'il a... Qu a fait une bêtise. Non, non, quand il l'a vu euh, sous la tente à hein, Tafna, oui. il a dit, il me rappelle la figure du Christ, oui. à propos de l'émir des canaires. En tout cas, entre les monarchies de Kadar avaient le don de fasciner ceux qui étaient oui, chargés <laughs> de le détruire. <laughs> mais entre les deux personnages, il n'y a pas photo, on dirait aujourd'hui, hein, parce que l'un est un soudard, oui. et en plus stipendié, euh, corrompu, et de l'autre côté, on avait un personnage qui, euh, qui était euh, bien au-delà, oui. euh, bon, qui, qui n'avait rien à voir. Non, mais, mais c'est comme les problèmes d'aujourd'hui. Ismaël Urbain connaissait les mères d'El-Kader par les récits, parce que la presse en publiait, surtout après le massacre de Sid Ibrahim. Oui. Et donc, il partageait cette vision négative, mais dès qu'il l'a vu, il a changé d'avis. Absolument. absolument. Oui, C'est comme toujours. Il y a la vision médiatique, une propagande, des lieux communs qu'on répète, mais quand on voit directement, on fait... On fait confiance à sa propre intelligence, à sa propre perception. Il, il se trompe, Urbain, il se, tout bon. de suite. Il, bon, il, il pose un problème, il se demande, quand il arrive en Algérie, il est tout jeune, est-ce que c'est un imam ou est-ce que c'est un sultan ah. C'est intéressant la question. Ah ben bah oui. C'est très sûr. intéressant. C'est le, répond... les djouades et les, les marabouts. Voilà. Oui. Et il répond. Alors, euh, alors il nous reste euh, euh, 30 secondes, on peut terminer là-dessus puis okay. on reprendra. Ben, C'est une, une excellente voilà. question. Alors, <laughs> imam ou sultan, on reprendra ça après la pause. Merci beaucoup.